Voilà un petit peu les grands profils. Donc je rappelle hein, la loi, le perfectionniste, le 2 qui est beaucoup plus dans le lien et l'interaction, le 3 qui est dans cette soif de compétition, de réussite, le 4 qui est dans le besoin d'exprimer à travers sa forme justement cette dimension artistique, créative, intuitive à travers cette différence, le 5 qui lui a au contraire besoin d'utiliser beaucoup plus sa tête pour être au contact de l'environnement, de le comprendre, de l'analyser, de se remplir à l'intérieur d'informations, qui va d'ailleurs après par la suite lui servir pour co-construire, et là la dimension 6, justement dans cette adhésion au système, adhésion au groupe, adhésion, affiliation, appartenance à cet ensemble pour le faire grandir, et puis enfin à travers cette appartenance, à travers cette progression, de jouir évidemment du plaisir de ce partage, de ces échanges, de la réussite, de cet enrichissement, de ce besoin évidemment de profiter des choses qui va nous construire évidemment dans la conscience de cette force, de ce pouvoir qu'on va pouvoir justement manifester de plus en plus dans sa vie, et pour continuer à grandir, eh bien d'aspirer à aller vers la différence et faire en sorte que cette différence, eh bien, puisse se rencontrer, se co-construire pour justement continuer à évoluer vers une nouvelle forme, vers une nouvelle relation, vers une nouvelle dynamique, vers une nouvelle expression artistique, on pourrait dire une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle interaction avec l'environnement, un nouveau plaisir de grandir, une nouvelle strate, on pourrait dire, de développement et de maîtrise, et ainsi de suite, s'ouvrir à de plus en plus grand. Donc vous voyez, on est dans un modèle qui n'a pas de fin, et c'est ça que je trouve de passionnant dans cette dynamique de l'énagramme.